look at me and know I dream of you. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in his arms and love me too. Who could be another heart that hurt me like you hurt me and be so untrue? Hurt me every time you go away. I always say this time it's goodbye. C'est la fille de ma sœur. Son père et sa mère sont morts en même temps que les deux enfants plus jeunes. Une mauvaise grippe. Que Dieu ait leur âme. A-t-elle encore de la famille en vie? Un frère, Aemon. Et le nom du père de l'enfant à naître? Vous savez quand même qui c'est? C'est un bon catholique pratiquant. N'est-ce pas, Anne-Marie? Si vous voulez bien signer ici, Madame O'Leary. Oui, naturellement, ma sœur. Anne-Marie, nous avons aussi besoin de votre signature. Je crois qu'il est temps de vous laisser. Tante Colette, tâche d'être bien sage et obéissante avec les sœurs. Que Dieu te garde et te bénisse. Quel nom souhaitez-vous porter, mon enfant? Ma sœur, mon nom est Anne-Marie et je tiens. Vous m'appellerez ma mère à partir de maintenant. Et chez nous, les vrais noms ne sont pas autorisés. Étant donné les circonstances, voulez-vous réellement que quelqu'un sache votre vraie identité? Non, sans doute pas, non. Alors, comment vous appellerons-nous? Teresa. Ma mère s'appelait Teresa. Vous pouvez être une pécheresse. Vous pouvez avoir enfreint les lois de Dieu et celles de la société. Mais ici, vous aurez la possibilité de faire pénitence pour vos péchés. Vous pourrez gagner, comme l'a fait Marie-Madeleine, le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, mon enfant, que la mission que nous a confiée le ciel est de vous renvoyer vers Dieu qui vous tend ses bras aimants. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de place pour les futilités dans la maison de Dieu. Déshabillez-vous. Je vous demande pardon, ma mère. Vous êtes sourde? Il fait froid. Nous savons toutes ce que c'est qu'un corps de femme.
Je m'appelle Nuala, je suis l'infirmière du couvent. Et toi, tu t'appelles ? Elle a choisi le nom de Teresa. Tu sais pourquoi tu attends ton bébé, Teresa ? Je suis pas vraiment sûre. Je suis désolée. Je t'excuse pas, c'est pas grave. Tu veux bien tousser ? Merci. Inspire. Expire. C'est bien. Encore. Et expire. Elle me paraît en bonne santé, ma sœur. Nous sommes toutes absolument ravies de la prendre. Bien. Enlevez le reste de vos vêtements. Je ne peux pas. Nous sommes toutes également nues sous le regard de notre Seigneur. Dépêchez-vous. Vous voyez, ce n'était pas si dur que ça, mon enfant. Sœur Cécilia, nous avons une nouvelle. Teresa, inclinez-vous devant la sœur. Venez avec moi. Vous travaillerez ici. Travailler ? Comment pensez-vous que nous puissions vous nourrir ? Vite, vous n'êtes pas venu ici pour passer des vacances. Premier mystère douloureux, l'agonie au jardin des oliviers. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cœur de Jésus qui avez enduré tous nos tourments, fortifiez-moi. Cœur de Jésus qui avez vécu cette souffrance avant de me l'infliger, aidez-moi. Cœur de Jésus qui vous laissez toujours toucher par la douleur, ayez pitié de moi. Cœur de Jésus resplendissant dans l'affliction, apprenez-moi à rester sereine grâce aux vertus de la pénitence. Cœur de Jésus qui vous consumez pour nos âmes au milieu de vos tourments, apprenez-moi l'oubli de moi-même et la noblesse d'âme. Arrête de pleurnicher, tu veux, tu me tapes sur les nerfs. Qu'est-ce qui lui arrive ? On emmène son bébé aujourd'hui. Où on l'emmène ? Chut, on ne doit pas parler. Elles ne t'ont pas mise au courant. On n'a pas le droit de garder le bébé pour nous. Ça me va très bien. On a emmené ton bébé ? Je n'ai pas eu de bébé. On m'a envoyé ici après l'orphelinat. Elles laisseront pas la mignonne Angela dehors en liberté. Avec ses yeux et cette peau parfaite. Une vraie tentation ambulante. Sœur Bernadette craint que je ne suive le chemin de ma mère. Elle est en enfer. C'est pour mon bien, c'est ce que dit le père Flannery. Peut-être que les musulmans ont raison, devraient toutes vivre enfermées. Silence! Je ne devrais pas avoir à insister sur l'importance de la discipline auprès de vous, Kitty. Vous qui êtes institutrice. Approchez.
Approchez. Maintenant, tendez votre main. Vous n'avez pas le droit de m'ordonner ça. Vous avez perdu tous vos droits à l'instant même où vous avez succombé. Kitty, je vous le demande. En tant qu'éducatrice parlant à une éducatrice. Tendez-moi votre main. Je vous prie de m'excuser, ma mère. Je vous pardonne, mon enfant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voyez à présent le prêtre qui s'avance dans les cathédrales le long des rangées de dignitaires et de membres du clergé jusqu'à l'endroit où le président de la République d'Irlande, Eamon de Valera, est agenouillé en prière devant l'autel. Le président se lève, il donne l'accolade au prêtre et il place les deux mains sur ses épaules. Le prêtre, visiblement ému par le geste du président, murmure quelques mots à l'oreille. De la main, il invite à s'asseoir en ayant presque l'impression du relatif inconfort de son église. Allez, viens, Angela. Je suis désolée pour ta main, Kitty. La sœur Bernadette aime me rappeler que je ne suis qu'une femme déchue. Je suis tombée plus bas que beaucoup d'autres. C'est vrai que tu es institutrice? Je l'étais, oui. Alors pourquoi tu es là? J'aurais cru pourtant que c'était évident. Et le père, il est mort? On n'est pas censé poser de questions personnelles. Excuse-moi, Kitty. Il a proposé de m'épouser, mais j'ai dit non. Pourquoi tu as refusé? Je voulais être sûre que c'était parce qu'il le désirait. Et toi, le père de ton bébé? Quoi, son père? Il n'aurait pas pu t'épouser? Il devait s'en aller. Et il reviendra? Non. C'est une de mes préférées aussi. Eamon, il la chante tout le temps, mais il ne connaît que la première phrase. Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Eamon, c'est mon frère. Oh. Je vous ai remarqué votre grâce. Le Seigneur est avec vous. Je vous ai mis entre toutes les femmes. Et que Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni de Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Bonne nuit.
Sainte Mère de Dieu, bénissez maman, papa, Vincent et Sean. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. Gardez à l'abri du danger ma tante Colette, mon oncle Brian et le père Cazet. Et que Dieu bénisse moi. Sainte Mère de Dieu, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais je vous en supplie, chassez le démon de mon ventre et laissez-moi rentrer chez moi. Table 1 et 2, debout et en rang. Table 3 et 4, debout et en rang. Allez-vous-en. Il n'est pas question de vous laisser troubler le repas de ces messieurs. Sergent. Patrick. Sœur Bernadette. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bonjour, Brida. Vous avez une cigarette? Tu vas m'attirer des ennuis de ces jours. N'ayez pas peur. Je dirai à Sœur Bernadette que c'est moi qui vous ai détourné du droit chemin. Ouais. Fais le guet. Bon, Jean, ça y est, tu peux repartir. D'accord. À demain, à la même heure. Bonne route. Où est Brida? Éteignez-moi cette cigarette. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en supplie, Brida, ce n'est qu'une enfant. Si tu veux pas t'en prendre une toi-même, boucle-la. À qui t'es allé parler? Qu'est-ce que t'as raconté sur moi? Rien du tout. Lâche-moi, lâche-moi. Brida, non. Fais-le, je t'en prie, oui, fais-le. Tu mouchardes encore une fois, petite salope. Et t'es morte. Teresa. Je déteste cet endroit affect. Je veux rentrer chez moi. T'inquiète pas, ça va aller. Il faut laisser sonner la cloche. La bougie est allumée, Noëlla est revenue. Ça va, ça se passe. Elle va arriver tout de suite, respire.
Tu as bien fait. Ça y est, la voilà, t'es sauvée. Oh, Seigneur. La voilà, l'infirmière est là. Mon Dieu, une chance qu'elle soit. Merci, Linda. Toi, tu pourras dire que Dieu est miséricordieux. Allez, à toi, nous, voilà. C'est bien, souffle bien fort et redresse-toi un peu. Vas-y, respire. Oui, respire, allez, souffle bien fort. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Per intercessionem Sancti Blasi Episcopi et Martyris, amalo liberet te Deus amalo guteris, et colibet alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Per intercessionem Sancti Blasi Episcopi et Martyris, Liberet et Deus, Amalo Uteris, et Colibet Alio Malo, in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Per intercessionem Sancti Blasi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Hélène dit qu'il pratique la pénitence. Il porte un caleçon en poil de chèvre. Pleine de grâce, le Seigneur. Sans doute tellement sale qu'il a des morpions. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des manières de résister aux tentations de la chair. Comme l'a dit le Seigneur lui-même, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Vous êtes ici devant Dieu et devant moi en tant que pénitente. Parfois la route qui reste à faire peut vous sembler très longue. Mais vous ne devez jamais perdre espoir. Comme l'a dit le Seigneur, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Ah, mais pour l'amour du ciel! Du calme, du calme! Faites comme si de rien n'était. Il va vite ressortir. Mon père, la pauvre bête est pétrifiée de terreur. Elle est capable de chier sur la Sainte Mère de Dieu elle-même. Tenez-moi l'échelle. Ah. Oh, poil de chèvre. Viens là, toi. Non. Non, faites attention, mon père. Viens là, viens là. Cœur de Jésus qui avez enduré tous mes tourments, fortifiez-moi. Cœur de Jésus qui avez vécu cette souffrance avant de me l'infliger, aidez-moi. Vous vouliez me voir, mon père ? Entre donc, mon enfant. Et si tu fermais la porte à clé, pour qu'on ne soit pas dérangé ? Mets-toi à genoux. Je t'ai vu regarder. J'ai pas regardé, non. Ses yeux pleins de luxure qui restaient levés vers moi. Non, je pensais à rien. Je vous assure, mon père. Toi et ton joli petit minois. Je t'avais remarqué dès l'orphelinat. Tu es comme ta mère. Mère très pure, mère très chaste, mère toujours vierge, mère sans tache, mère très aimable, mère du bon conseil, mère de notre Créateur, mère de notre Sauveur, vierge très prudente. J'espère que tu es fière de toi. Espèce de sale petite pute. Thank you.
Ça va, Angela? Oui, bien sûr. Pourquoi le père Flannery voulait-il te voir? Pour m'interroger sur le catéchisme. J'ai pas demandé à être jolie. J'ai horreur qu'on me trouve jolie. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je finirai comme maman. Pourquoi? Tu t'es mal conduite avec le père Flannery? C'est ma faute. Une pute, voilà ce que je suis. Est-ce que c'est vrai, Angela? Je ne voulais rien dire. C'est Teresa qui a dit que je devais. Vous avez bien fait. Donc, d'après vous, c'est bien ce qui s'est passé? Oui, ma mère. L'avez-vous dit à quelqu'un d'autre? Non. Seulement à Teresa. Tout va bien? Ça va. Et sœur Bernadette s'est montrée compatissante, j'imagine. J'ai dit à Angela qu'elle n'avait pas de soucis à se faire. À Angela? Qu'est-ce que ça a à voir avec Angela? C'est elle qui a eu un ennui avec le père Flannery. T'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? Dis-moi que t'as pas fait ça. T'es vraiment la pire des connasses. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Teresa, revenez ici. Où allez-vous comme ça? Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous, imploré votre protection ou réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, je viens à vous. Ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous pour me prosterner devant vous, gémissant sous le poids de mes péchés. Ô mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes humbles prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ainsi soit-il. Je vais m'occuper d'elle. Merci, infirmière. Nous nous en chargeons. Ma sœur. Faites gaffe à ce que vous dites devant cette fille. En moins de rien, elle vous envoie à l'asile d'aliénés dans une camisole de force. Le père Flannery a obligé Angela à mettre sa chose dans sa bouche. Teresa. Tu crois qu'elle est la seule à qui il ait fait voir sa grosse bite? Qu'est-ce que tu croyais que la mère supérieure allait faire? J'ai juste dit la vérité. En tout cas, il y a une chose de sûre. Tu ne risques pas de bouger d'ici avant très longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi ce qu'elle veut dire. Elle a raison, Teresa. Non! Dès que j'aurai eu mon bébé, je m'en irai. Personne ne peut s'en aller. Pas juste comme ça. Tout ce que j'ai raconté à propos du père Flannery, c'était une erreur de ma part. Une épouvantable erreur. Je n'en parlerai plus jamais. Vous croyez pouvoir accoucher de votre bébé et vous en aller? Oui. Aller chez qui? N'oubliez pas que vous avez été placée ici par votre famille. Je trouverai un emploi.
Dans une grande maison. Vous êtes une pénitente. Pensez-vous réellement qu'une famille de la bonne société voudrait vous accueillir avant la fin de votre pénitence? Vous avez de l'argent? Non. Vous iriez donc finir dans la rue en vendant votre corps pour nourrir votre bouche? Comment pourrais-je en conscience oser me tenir devant Dieu si je vous laissais sur cette pente? Vous ne pouvez pas me garder enfermée toute ma vie. C'est trop injuste. Essayez de vous échapper. Les policiers auront vite fait de vous pourchasser et de vous ramener. Mais peut-être qu'un jour, si vous vous montrez suffisamment digne de notre confiance... En attendant, priez pour que votre famille soit assez indulgente pour venir vous reprendre. Le père Flannery nous a quittés pour apporter la parole de Dieu aux païens en Afrique. Je voudrais vous présenter un nouveau membre de notre communauté, le père Flynn. À partir de maintenant, c'est lui qui sera votre conseiller spirituel. Eh bien, comment allez-vous ce matin? Très bien, merci mon père. On peut se passer de tout ce raffut, merci. Comment ça se présente, Nuala? Elle n'est pas tout à fait prête. Je suis sûre que Teresa et moi... Alors, qu'est-ce qu'elle fait à se prélasser? Je ne veux pas de hurlements. Si vous mourrez, vous aurez simplement ce que vous méritez. Non, rien ne presse. Ça va, faites-la descendre. Ça suffit. Il faudrait que je puisse la remettre sur la table. Le bébé va bien. Qu'elle arrête de geindre. Pas la peine de se donner tant de mal pour cette pleurnicheuse. Il ne faudrait pas que le bébé se noie dans la chaise percée. Et si je pouvais juste jeter un coup d'œil. Viens, Kitty, viens. Allez, du courage. Courage, Kitty. Je peux sentir sa tête. Pousse. Oui, vas-y, Kitty. Vas-y, pousse. À votre avis, qu'est-ce que vos élèves penseraient de ça, Kitty? Encore une fois. Ça y est. Encore une fois. Ça leur donnerait peut-être une leçon. Ah, c'est bien. C'est bien. Continue, Kitty. C'est bien. Tu as une fille, Kitty. Ma sœur, elle a une mauvaise déchirure. Si je pouvais lui faire quelques points de suture... Elle se remettra. Allez porter ça au cochon. Comme ça. Tournez-vous vers moi. Dans la maison de Dieu, on ne court pas. Je refuse de le faire. Non, je refuse. Vous auriez dû penser à cela avant de vous abandonner à vos désirs impurs. Ce que vous avez vu ce soir, mon enfant, c'est le salaire du péché.
cru que t'allais mourir et que j'allais te perdre. Je vais bien. J'ai juste un peu mal. Mais je t'assure que ça vaut la peine, crois-moi. Je vais lui donner le prénom de ma mère. Lily. Lily Teresa. Teresa, vous avez une visite. Je leur ai dit qu'ils auraient dû prévenir et que ce n'est possible que le dimanche après-midi. Toutefois, j'ai obtenu que vous puissiez les voir pendant 10 minutes. Arrangez-vous un peu, mon enfant. C'est pas possible. Raymond ? Tu as vu ce qu'elles t'ont fait? Tu n'aurais pas dû. Tes cheveux, tes jolis cheveux. Et tu as aussi changé de prénom. Elles m'y ont forcé. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. Tu sors avec quelqu'un. J'ai jamais voulu que... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elles le donneront à des gens comme il faut. Je peux le toucher? Non. Les rosiers sont en fleurs. Oui. On pleure pas. Non. Je reviendrai, je te le promets. Je reviendrai te chercher quand ce sera fini. Hein? Oui. Tu lui as dit? Oui, bien sûr. Comment elle l'a pris? Elle a dit qu'elle espérait que Betty et moi, on serait très heureux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il reviendrait me chercher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis donc, c'est formidable. Il a menti. Pourquoi faire? Tu peux pas savoir. Si, à sa façon de se passer les lèvres. Et il y a ma tante Colette. Elle veut pas me revoir chez elle. Elle l'a jetée dans les bras de Betty McAvoy. C'est lui le père de ton bébé, n'est-ce pas? Non. Non, c'est pas lui. Tu peux me le dire, ça me gêne pas. Non. Tu es ma meilleure amie, et c'est pas ça qui changera quelque chose. Ça s'est pas passé comme tu l'as dit. Il m'a... Je veux seulement rentrer chez moi. Le noir est mieux. Faudra tout nous raconter en détail. Ce que t'as mangé, ce que t'as bu, et s'il embrasse bien aussi. C'est vraiment tout ce qui vous préoccupe. La vie existe au dehors, vieille prune rabougrie. Ah oui. La liberté et les maris. J'en ai eu un de mari, qui me frappait jusqu'à me fendre la tête. C'est parce que je me suis enfuie que j'ai échoué ici. Tu as abandonné ton mari? Et Dieu m'a pardonné. J'en ai la certitude. Je préfère repasser des soutanes et chanter les louanges du Seigneur que vivre avec ce pauvre type. Bon.
Il faut que j'y aille. Désolée. Amuse-toi bien. À plus tard, Noala, au revoir. Garde les jambes croisées ou n'oublie pas la capote. Il faudrait pas que tu finisses comme nous. J'ai rien entendu. Quelle capote, il peut pas? Toi, tu devrais faire du théâtre, je t'assure. Tu serais une vedette. Qu'est-ce qui t'arrive? À ton avis, tu crois que je passe une audition pour un opéra? Je vais sonner la cloche pour toi. Noala n'est pas encore revenue. Je dois sonner la cloche, c'est le règlement, c'est obligé. Elle est pas là, merde, tu vois quelque chose? Il n'y a pas de bougie. Ce sera sort, Bernadette, ne t'en fais pas. Empêche-la! Hélène, fais pas ça! Arrêtez-moi cette connasse! Bien, calme-toi, tout va bien, t'inquiète pas. Ça va aller, oui, ça on va. Est là. Chut! Mettez-la debout. Je vous interdis de me toucher. Vous n'êtes pas vraiment en position de choisir, je le crains, mon enfant. Mettez-la debout. Sœur Bernadette ! Brita ! Tout va bien ? Vous arrivez trop tard. Elle a eu une petite fille en pleine santé. C'est tout, ma chérie, c'est tout. Attends un peu, tu verras quand tu iras aux États-Unis. En Amérique? Nos avortons les envoient à l'orphelinat. Les meilleurs de la bande sont vendus aux Amerlocs. Tu te rends compte? Au début, ce sont des bâtards et en une seconde, ils deviennent des stars de cinéma pour leurs parents adoptifs. Petite vénarde. S'il ne s'agissait que de moi, mais je ne suis pas seule. Il n'est pas question que je perde Lily, je le refuse, je suis prête à tout. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de coucher avec lui? Il pourrait accepter d'être mon mari. Si j'étais la femme de Patrick, j'aurais une chance de garder Lily. Tu me laisses tomber. Mais quand j'aurai un mari et une maison, je pourrai revenir te chercher. Tu mens. Je te l'ai dit, tu es ma meilleure amie. J'ai pas l'intention de t'abandonner.
Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce que tu aimerais vivre? Au bord de la mer. Je paierai ma part. Je prendrai un emploi. Tu es sûre que Patrick voudra bien? Pourquoi il refuserait? Ça devrait le flatter. De jolies femmes comme nous. Et s'il te demande pas en mariage? Où est-ce qu'il trouvera un meilleur parti? Ah, ce Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Tu es une femme étonnante. Alors c'était pas juste un coup vite fait? Tu crois que dans ce cas, je courrais le risque d'être surpris par Sœur Bernadette avec le pantalon baissé? Pourquoi tu n'as pas de fiancé? J'ai ma mère et mes sœurs, elles comptent sur moi pour vivre. Un jour, elles s'en iront, Patrick. Tu y as déjà pensé? Tu t'apercevras alors de tous les bons moments que tu as manqués. Épouse-moi. Sors-moi de ce trou. T'épouser? Je t'ai fait peur. Oui. Tu m'as surpris. Le mariage. C'est vrai que c'est un grand pas. C'est pas envisageable. Ça le saurait si on le voulait. On partirait, j'enseignerais quelque part et tu pourrais envoyer de l'argent chez toi. Il y aurait Lily, toi et moi et Teresa. Teresa? Et qui d'autre pendant que tu y es? J'espérais qu'à nous trois, on pourrait te suffire. Je connais pas, je me sens un autre avec toi. Alors tu devrais rendre la chose officielle. Peut-être bien. Est-ce que c'est un oui? Oui. Pourquoi cet argent? Je veux que tu aies quelque chose qui t'appartienne. Qui ne soit pas la propriété de cet endroit infect. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Silence, je ne veux pas vous entendre.
Sois courageuse. Elles m'ont pris mon bébé. Jamais je n'ai voulu. Non, arrête. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je suis est engelée? Non. Tu m'as promis. Et jamais je ne t'ai poussé à le faire. J'ai paniqué. Le mariage... Ne fais jamais confiance à une femme qui sait compter plus vite que toi. C'est ce que mon père me disait tout le temps. Tu n'aurais pas dû me donner d'espoir. Je vais aller leur parler. Pour voir s'il serait possible de récupérer Lily. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ma mère, il faut venir tout de suite. Vite, ma mère, je vous en supplie. Revenez à vos places. Arrêtez. Revenez immédiatement. Oh, oh mon Dieu. Qu'est-il arrivé, ma sœur? Pauvre fille, elle est tombée de là-haut. Un tragique accident. Que Dieu ait pitié d'elle. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Salut aux Saintes Reines, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, voici que nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus. Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
sais que cette idiote s'est jetée du haut du toit. C'est un péché mortel. Ça m'étonne que la mère supérieure ait autorisé son enterrement en terre consacrée. Tu dis encore une méchanceté sur elle, je te tue. La mort de Kitty nous a toutes profondément bouleversées. Peut-être que si vous ne lui aviez pas volé son bébé pour le vendre au plus offrant. Vous pensez que j'ai consacré ma vie à Dieu pour faire commerce de chair humaine? Vous et votre Dieu, vous avez tué ma meilleure amie. Répétez après moi. Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Allez, dites-le! Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je purifie mon âme des pensées blasphématoires. Mon Dieu, épargnez à mon enfant à naître toute la corruption de mon esprit dissolu. Oh, vous êtes un instrument au service du diable. Vous le savez. Je ne serais pas surprise si vous aviez dans votre ventre l'enfant de Lucifer. Teresa, regarde-le. Il a faim. Non. Il veut sa maman. Cher Raymond, j'ai eu notre bébé, un garçon. Il est beau comme un ange. Je l'ai appelé Raymond. Je t'en prie, parle à tante Colette. Elle pourrait l'adopter. Dis-lui que je regrette de l'avoir déçu. Mais je ne le demande pas pour moi, juste pour le bébé. Si tu viens me sortir d'ici, je promets de vivre à l'écart. Je t'en prie, Raymond. Fais en sorte que tante Colette dise oui. Je t'en supplie. Au revoir, ma chérie. Mets-leur en plein la vue, d'accord? Je suis désolée. Des cabines à l'intérieur et tous les jouets dont elle peut rêver. Il n'y a vraiment pas de quoi être désolée. Allons-y. But you've been left. Pourquoi tout ce remue-ménage? Quelqu'un d'important va sûrement venir. La dernière fois, c'était l'évêque. Il a placé la main sur ma tête et il m'a béni.
Bonjour, monsieur le ministre. Ma mère... Oh, monsieur le ministre, nous sommes très honorés que vous ayez pris le temps de venir nous rendre visite. Nos jeunes filles n'ont cessé de parler de vous toute la semaine, si vous voulez bien me suivre. Et j'aimerais donc vous remercier, mes sœurs, au nom du pays tout entier et des personnes que je représente, d'avoir recueilli ces infortunées demoiselles et de leur procurer une famille, tant spirituelle que matérielle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous en prie, madame. Merci bien. Où cela se trouve-t-il, monsieur? Dans le comté de Galway. Écoutez ce plat. Petit village, s'il vous plaît. Ces sandwichs sont vraiment délicieux de ce côté. Oh oui, je pense que vous avez raison. Et j'aime bien le comté de Galway, la compagnie et truc. Je suis bien de votre avis. Il est très important d'avoir un endroit où on peut se détendre. Vous voyez où est Teresa? Un vieux manoir dans le dos des gars. Quoique tout cela ait l'air délicieux, ma mère, j'avoue que je me demande si un petit peu de modération ne pourrait pas faire passer mon message plus clairement. Veuillez m'excuser, monsieur le ministre. Je vous en prie. Toute cette nourriture n'est-elle pas trop riche? Trop abondante aussi? Avez-vous aperçu Teresa? Non, pas du tout, ma sœur. Toutes mes excuses. S'il vous plaît. Il n'est pas question de sonner la cloche avant que le ministre ne soit suffisamment éloigné. Vous n'avez rien vu? Vous avez pas vu une jeune femme avec un bébé qui avait l'air pressé? Non, je regrette. Bien.
Sainte Mère de Dieu. Je suis envoyée par la santé publique. On a signalé un cas de polio. Et ça vous donne le droit de pénétrer dans ma maison ? La polio est une maladie très dangereuse. Votre femme n'est pas là ? Ma femme est morte. Oh, je suis navrée. Vous pourriez éviter de me regarder de cette manière-là ? Non, arrêtez, ne me regardez pas comme ça. C'est peut-être vous qui devriez vous regarder. Il vaut mieux que je parte. C'était pour vous la cloche tout à l'heure ? Non. Nom de Dieu. Je vous interdis de le toucher. Je ne l'ai pas kidnappé. C'est le mien. Il s'appelle Emon. Il est beau, n'est-ce pas ? Elles vont me le prendre. Le donner à des inconnus. Y a quelqu'un ? Je vous en prie. Y a quelqu'un ? C'est la police. Oui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quelqu'un a vu entrer chez vous une jeune femme qui portait un bébé. Quelqu'un l'a vu ? Oui. Très bien, alors entrez. Allez, rentrez chez vous, tout le monde. Ne laissez pas traîner vos enfants dans la rue, mesdames. Allez, circulez. T'en fais pas, mon petit bonhomme, tout va bien. Tu restes avec ta maman. Vous osez vous imaginer comme une personne à part. Si je vous disais ce que moi je vois, je ne vois que de la laideur, du dévergondage, de la corruption et de la chair souillée et avilie. Un abominable désaveu de la volonté divine. On va faire un vol qui pourra. Oui, je... Oh oui. Non. Non, c'est trop tôt. Oh, il a beaucoup de chance, ce petit. Un jeune couple d'Américains pratiquants est à la recherche d'un bébé. Dieu n'a malheureusement pas accordé à cette dame le don de la maternité. Lundi, il prendra le bateau. C'est moi qui suis sa mère. Il n'a jamais été à vous. Vous le savez très bien. C'est mon enfant. Il a confiance en moi. Dès qu'il me voit approcher, il agite ses petits bras. Qu'est-ce qu'il pensera quand il verra que c'est un inconnu qui se penche vers lui pour l'emporter ? Il croira que je ne veux plus de lui, voilà ce qu'il croira. Il croira que je ne l'aime plus. Sa nouvelle mère et son nouveau père ont de l'argent, de l'amour, tout ce dont l'enfant peut avoir besoin. Tout ce que vous-même vous souhaitez pour ce petit. Vous n'avez pas le droit, je ne vous laisserai pas faire. Voilà, je t'en prie, aide-moi. Donnez-moi cet enfant. Non. Donnez-moi cet enfant, Teresa. Non.
Jésus, pureté des vierges, ayez pitié de nous. Jésus, couronne de tous les saints, ayez pitié de nous. Jésus, père des pauvres, ayez pitié de nous. Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous. Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous. Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous. Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous. Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous. Jésus, notre voix et notre vie, ayez pitié de nous. Jésus, joie des anges, ayez pitié de nous. Jésus, roi des patriarches, ayez pitié de nous. Merci de vous soucier d'elle, mais elle va très bien. Je suis sûre qu'elle regrette les ennuis qu'elle a causés. Je pourrais peut-être la voir. Je n'en vois pas la nécessité. Voulez-vous que je lui transmette vos salutations ? J'aimerais la voir moi-même, si ça ne vous dérange pas trop. Il y a une procédure à suivre pour les visites. Si j'étais un homme très soupçonneux, je croirais que vous voulez me la cacher. Pour quelqu'un qui n'a pas trop les moyens de choisir, vous n'êtes pas très accueillante. Et moi, je pense que quelqu'un qui choisit de venir me voir ici est un idiot ou alors il a un but précis. Je suis passé voir comment vous alliez votre bébé et vous. Les sœurs me l'ont pris. Je suis navré. On serait libre sans votre trahison. Mais c'était la première fois que je vous voyais. Vous pouviez être une folle. Je sais tout sur les pénitentes. Eh bien alors, vous vous êtes bien amusé. Allez dire à vos copains que vous avez vu une pénitente, non seulement de tout près, mais dans sa cage. Ça vous fera gagner une bière ou deux. Non, excusez-moi. Je vous en prie. Je suis désolé. J'ai ouvert la bouche sans réfléchir. Ma femme disait toujours ça. C'était la surprise. C'est pas tous les jours qu'on trouve une jolie fille dans sa salle de séjour. Je m'appelle Franck. Teresa. Ce n'est pas mon vrai prénom. Elles ont volé cela aussi. Et il est temps que je m'en aille. Franck ! Oui ? Vous pourriez m'aider. Que voulez-vous dire ? Comment ? Allez voir mon frère et mon aiguerti à Raskelly. Dites comment enlever mon enfant. Demandez-lui. Oh, je vous en supplie. De venir me sortir d'ici. Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires des autres. S'il vous plaît. Non, je regrette. Je regrette. Au revoir. Vous n'êtes pas venu ici en vacances. Non, mais qu'est-ce qui vous prend ? Retournez immédiatement à la blanchisserie. Teresa, j'irai plus travailler. Vous pouvez me battre jusqu'à la mort, plus rien ne me fera jamais travailler. Ni pour vous. Ni pour votre Dieu. Teresa, prenez ses vêtements. Teresa, je vous ordonne de les prendre. Reprenez le travail. Remettez-vous au travail immédiatement. On se remet au travail, mademoiselle. Au travail, au travail. Ma sœur, je crois qu'il est nécessaire de séparer Teresa des autres pensionnaires. Oui.
foule acclame vivement le président Kennedy et cherche à forcer les cordons de police pour lui serrer la main. Mais elle est fermement contenue par les forces de l'ordre. Et maintenant, le président se lève. Elle a eu le bébé, un garçon. Elle l'a appelé Eamon. Est-ce qu'elle va bien ? Elle lui a enlevé l'enfant. Il est dans une famille comme il faut, est-ce qu'elle a dit ? À des milliers de kilomètres, en Amérique. Elle veut que vous veniez signer pour qu'elle sorte. Pour qu'elle sorte ? Le bébé n'est plus là, alors où est le problème ? Dites-lui que je lui écrirai. Alors j'attends ici, pour lui donner la lettre. Je ne suis pas très rapide pour écrire. Avez-vous une idée de tout ce qu'elle endure ? Attention, c'est une affaire de famille. C'est mon affaire maintenant. Elle a tenté de s'enfuir, vous êtes au courant ? On l'a ramenée comme une vulgaire criminelle. Ça vaut mieux, non ? Imaginez qu'elle soit venue frapper à votre porte, avec le petit Eamon. Bon, maintenant vous allez la boucler, sinon... Sinon quoi ? Vous n'avez aucune intention d'aller la délivrer, pas vrai ? Vous n'êtes qu'un fichu égoïste. Pourquoi le feriez-vous ? Désormais, vous n'avez plus besoin d'elle. Hein ? Vous vous en foutez qu'elle pourrisse là-bas pendant tout le reste de sa vie. Oh. Elle ne souhaite pas vous voir. Vous ne croyez pas qu'il faut d'abord le lui demander ? J'apporte des nouvelles de sa famille. Mon Dieu, vous vous êtes battu. Je suis allé voir votre frère. C'est Eamon qui vous a fait ça ? Disons qu'il a trompé ma vigilance. Il n'aurait pas réussi une deuxième fois. Il viendra me voir. Je regrette. Il va se marier. Petty McAvoy. Pas besoin d'être joli quand on possède 10 hectares. Merci d'avoir essayé. Je ne pensais pas que vous le feriez. Ah, tout est bon pour m'éviter d'aller au pub. Ma femme avait raison. J'ai encore ouvert la bouche sans réfléchir. 31 ans qu'on a été mariés. Je pense qu'elle n'a pas eu trop à se plaindre. Elle adorait faire des mots croisés. Et vous ? Je sais que les gens me croiront fou de me charger d'une pénitente. Mais je suis sûr qu'on parviendra à s'entendre tous les deux. Vous me demandez de travailler pour vous ? Je vous demande de vous marier avec moi. Me marier avec vous ? Je sais que vous préféreriez quelqu'un de plus jeune. Mais vous ne disposez pas d'un choix très large. Oui, là, je joue mon atout. Au moins, vous seriez sorti de ce trou. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir.
je veux bien vous épouser. C'est vrai. À une condition. Laquelle? Aucun enfant. Aucun. Vous voulez dire pas de... Oui. Mais l'église dit que... Je vous ferai une maison dont vous serez fiers, sans ménager mes efforts. Je frotterai le sol, je laverai les vitres. Je chaufferai même le lit le soir. Mais rien de plus. Je n'ai pas besoin d'une gouvernante. Tu prends soin de moi tout seul depuis que ma femme est morte. Je vous tiendrai compagnie au moins. Quelqu'un à qui vous confier. Si c'est de la conversation que je cherche, je peux aller au pub. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne m'épouseriez que pour disposer librement de mon corps? Non.